Quelques jours de l'ouverture tant attendue de la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou Siao, prévu du 25 octobre au 3 novembre 2024, une conférence de presse s'est tenue ce 17 octobre pour faire le point des préparatifs. Ce rendez-vous de l'artisanat africain promet, une fois de plus, de mettre en lumière la richesse et la diversité des savoir-faire artisanaux du continent. Le secrétaire général du CIAO a assuré que tout est fin prêt pour accueillir les exposants et visiteurs dans des conditions optimales, avec une sécurité renforcée et une logistique minutieusement préparée. À ce jour, nous enregistrons l'inscription d'une trentaine d'acheteurs et visiteurs professionnels en provenance de 17 pays, dont l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Angleterre, le Cameroun, le Canada, les États-Unis d'Amérique, la Guadeloupe, le Japon, le Kenya, la Libye et j'en passe. Aussi, plus d'une trentaine de médias sont déjà inscrits. Plusieurs partenaires, annoncés et sponsors, ont également accepté d'associer leur image et leur marque au CIAO 2024. Quant aux exposants, nous avons enregistré plus de 2000 exposants répartis dans les pavillons climatisés et ventilés. Plus de 80% des stands ont déjà été réservés sur les 700 stands visés comme objectif. En ce qui concerne les volets sécuritaires, je puis vous rassurer que toutes les dispositions sont prises par nos vaillantes forces de défense et de sécurité pour la tenue des salons en toute quiétude. Placé sous le thème « Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation », cette 17e édition du CIAO valorise l'entrepreneuriat des jeunes en présentant l'artisanat comme un levier stratégique pour l'émancipation et la pérennité d'un développement économique inclusif. L'entrepreneuriat n'a pas de frontières. C'est pour dire, dans l'artisanat, on peut être entrepreneur. Et l'idéal est à ce que les jeunes entreprennent même dans le sens de l'artisanat, pour créer encore plus d'emplois au lieu d'aller à la requête d'emplois à tout moment, d'où en tout cas les diplômes sont stagnés, mais il n'y a vraiment pas d'emploi. En plus de l'enthousiasme grandissant pour cette 17e édition, la directrice générale du CIAO a souligné une nouveauté majeure, la participation inédite de plusieurs pays qui marquent ainsi leur première apparition à cet événement international de l'artisanat. On a des pays comme l'Iran, la Russie, la Libye, la Zambie et j'en passe. Donc nous avons en tout cas près de 10 pays qui n'avaient jamais pris part au CIAO et qui sont inscrits pour la présente édition. Donc, pour vous rassurer véritablement qu'il y a un réel engouement et nous continuons jusqu'à ce jour d'enregistrer des intentions de participation, des demandes de location de stands à travers l'Afrique et le monde. On est en train de donner le meilleur de nous-mêmes pour satisfaire vraiment tous ceux qui ont manifesté leur intention de participer à cette édition. Et nous souhaitons une forte adhésion aussi des Burkinabés parce que, après tout, c'est un événement national et c'est nous qui devrons en tout cas montrer aux yeux du monde que cet événement est avant tout le nôtre et également réserver un accueil chaleureux et un séjour agréable à tous ceux qui viendront. Ce sont plus de 1000 artisans représentant plus de 25 pays qui viendront exposer le fruit de leur talent entre pièces d'art traditionnelles et créations contemporaines dans l'ambition de séduire à la fois les amateurs et les professionnels. Le CIAO 2024 met également à l'honneur la jeunesse avec des stands et des initiatives spécifiques visant à stimuler l'esprit entrepreneurial des jeunes artisans africains. Tout est donc en place pour que ce salon, véritable vitrine du génie créatif africain, s'impose une nouvelle fois comme le rendez-vous incontournable de l'artisanat mondial.